Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un environnement un peu particulier, puisqu'en fait, je suis chez mes grands-parents. C'est pour ça que je ne peux pas parler trop fort non plus, puisque voilà, tout simplement, je suis en vacances chez eux pour encore quelques jours. Sauf que à partir de ce soir à minuit, en fait, donc dimanche minuit, c'est le début du French Redathon. Donc le French Redathon est organisé plusieurs fois par an. Il s'agit d'un challenge pendant une semaine où on doit lire le maximum de livres possible. Au maximum, on a le droit d'en choisir 7, je crois, qui doivent correspondre genre aux 7 jours de la semaine en théorie. Après, bien sûr, on n'est pas obligé d'en lire vraiment un par jour. J'ai du mal à trouver comment m'installer exactement. J'ai pas de retour en plus, c'est un peu difficile. Désolée. Et donc en fait, il y a 8 thèmes et le challenge est considéré comme réussi à partir du moment où on en lit 4. Parmi les 7 maximum qu'on peut sélectionner. Après, si on sait qu'on n'en lira pas 7, on peut ne pas en choisir 7. Et puis en plus, ça dépend aussi de la taille des romans qu'on choisit, forcément. Donc il y a 8 thèmes qui sont proposés, je vous les mettrai en barre d'informations. Donc moi, j'ai choisi en fait mes livres par rapport aussi aux livres que je dois rendre, puisque j'ai des livres à rendre dans les prochains jours. Donc tout d'abord, je vais commencer ma semaine par un livre qui répond à plusieurs catégories, comme c'est le cas de beaucoup de mes livres, à savoir que c'est en fait bon, un livre qui n'est pas mon genre de prédilection et qui fait également plus de 300 pages, puisqu'il s'agit d'un des livres de Preston & Child. Donc c'est un duo d'auteurs américains qui écrivent des livres policiers. J'ai beaucoup aimé les livres que j'ai lus d'eux pour l'instant, et donc celui-ci c'est Croisière maudite. Et donc je vais le lire en premier puisque je dois le rendre assez rapidement avant que je reparte de chez mes grands-parents en fait. Donc voilà. Après, le deuxième livre que je devrais rendre également pour pouvoir le rendre, il s'agit d'un livre qui rentre dans la catégorie un livre qui n'est pas ton... Non, pardon. Un livre qu'on a choisi dans ta palle. Il s'agit du premier tome du cycle des robots d'Isaac Asimov. Donc le premier tome s'appelle tout simplement Les robots. Il a été choisi dans ma palle dans le sens où je veux lire la trilogie et mon... Enfin, la... Je sais pas comment ça s'appelle, quand c'est en 6 tomes. Et mon copain m'a prêté donc le premier tome pour que je puisse le lire. Ensuite, après, il reste pas mal de thèmes. Donc un livre avec un titre, avec dans le titre le nom d'un personnage. Je vais lire donc Alcatraz contre les ossements du scribe. C'est le deuxième tome de la série Alcatraz. Donc Alcatraz, c'est la série jeunesse de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson est mon auteur de fantasy favori, si vous ne le savez toujours pas. Et donc Alcatraz, sa série jeunesse, pour l'instant j'ai le premier tome que j'ai trouvé très sympa. C'est drôle, c'est de l'aventure, c'est fantastique. Mais voilà, avec une famille très déjantée, j'ai eu envie de découvrir la suite. En plus de ça, la famille s'agrandit, enfin on a le reste des membres de la famille qui arrivent aussi. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Il est assez court, il fait à peu près 250 pages. 250 pages, pardon, je ne sais pas très bien articuler. Après, un livre avec une couverture qui te fait penser à l'été, je vais le regrouper avec un livre contemporain et je lirai Victoria Rêve de Timothée Trombelle, qui est une toute petite nouvelle de 100 pages. Après, je ne l'ai pas à vous présenter parce qu'il est chez moi par contre. Un livre en VO. Alors tout simplement, je ne lis pas en VO, j'arrive pas à lire en anglais, j'arrive pas à me concentrer dessus. J'arrive pas. Sinon, il faudrait que je lise quelque chose d'à peu près 20 pages peut-être. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal. Et donc du coup, surtout dans un temps limité comme ça même pas la peine. Donc du coup, un livre en VO, et bah tout simplement, je peux lire un livre français, un livre sorti en français, et donc en français, ce sera un livre VO. Mais bon, voilà. Petit moyen de contourner le truc. Et je lirai, je pense, La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Et puis enfin, si j'ai le temps, je lirai un dernier livre. Donc c'est le sixième que je choisis, qui regroupe un livre qui fait plus de 300 pages et un livre qui a été ou sera adapté au cinéma ou en série. En fait, c'est pas ce tome-là qui a été adapté, mais la série. En l'occurrence, il s'agit du préquel, puisque c'est le préquel de la trilogie L'épreuve de James Dashner, donc Avant le labyrinthe, L'ordre de tuer, qui fait en fait 350 pages, à peu près, ouais, en gros. Donc voilà, j'ai très hâte de lire pour en savoir un peu plus. Sauf que d'ici là, donc le challenge dure de lundi minuit jusqu'à dimanche minuit. Je vous mettrai toutes les conditions en barre d'infos. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de présentation de Rondoudou Isapi et de
fangirl reader. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Salut!